Lors de cette 20e journée, le FC Sochaux s'est imposé contre l'AS Saint-Etienne et rassemble 12 points à la 27e. Sochaux est 5e, Saint-Etienne reste dernier du championnat. L'OGC Nice est désormais barragiste à cause de la victoire du PSG grâce à un but de Pastore dès la 6e. Paris toujours 6e, Nice est avant-dernier. L'Olympique Lyonnais a concédé le match nul contre le Stade de Reims. Les Lyonnais sont toujours 15e, Reims est premier relégable. Grâce à sa victoire contre l'AS Ajaccio, Reims n'est plus relégable et désormais 17e avec un point plus que le barrage Bordeaux. Monaco fait nul contre l'AS, contre plutôt le Stade Malherbe de Caen. Monaco se procure une masse d'occasions sans pour autant parvenir à les convertir. 0-0. L'AS Monaco, lui, est toujours 8e. Le Stade Malherbe de Caen, lui, est 4e. Le FC Sochaux tient en échec le FC Metz. 0-0 lors de la confrontation. Le Stade de Reims face aux Girondins de Bordeaux, ça s'est plutôt bien passé. Les Bordelais ont été tenus en échec par les Girondins. Résultat, Reims est désormais premier non relégable face au Bordeaux qui est barragiste. Le 12 FC bat le Racing Club de Lens en but à 0. Valenciennes se défait du Sporting Club de Bastia grâce à un but de l'Italique à la 10e. Et enfin, dans le match en retard de la 20e journée entre Lille et Evian, 0-0. Valenciennes occupe toujours la première position. Le PSG n'est que 6e du classement. Le FC Lorient fait son apparition dans la deuxième moitié du classement pour voir lui font tourner la page, 15e 35 points. Dans la zone de relégation, Nice et Saint-Etienne font leur apparition. Le programme de la 21e journée, le Sporting Club de Bastia face au Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais reçoit le Stade de Reims, Metz Toulouse, Nice Saint-Etienne, Caen Sochaux, Lorient, RC Lens, Nice, AS Ajaccio, Stade Malherbe de Caen Valenciennes, Lorient Saint-Etienne, et enfin pour terminer à 21h, Toulouse Guingamp.